Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 4, donc pour l'épisode 24, je crois, normalement. Donc on va charger la partie. Alors, faut savoir que j'avais commencé à enregistrer, mais bon, voilà, vous connaissez la suite, il y a eu encore un bug. J'avais enregistré 20-25 minutes à peu près de vidéo. Donc du coup, je vous refais le speech que j'ai fait dans la vidéo qui a échoué. J'ai joué en dehors du jeu, en fait. Ce qui est... Je crois que je l'ai jamais fait avant, il me semble, pour les Yakuza. Je l'avais fait pour Assassin's Creed Origins, mais... Bon, Yakuza, je crois pas. Et du coup, ouais, j'ai joué une bonne heure, en fait. D'après la sauvegarde, je crois que c'était quasiment une heure et demie. Mais bon, moi, personnellement, vu que je faisais autre chose en même temps... Si vous voulez, en fait, j'avais oublié de transférer les vidéos que j'ai capturées, les précédentes vidéos, en fait... Du coup, la partition du disque dur que j'utilise pour capturer était quasi pleine, donc le temps de transférer toutes ces vidéos-là, bah, j'ai joué pour moi, tout simplement. Donc du coup, j'ai joué un petit peu pour affronter un peu de racailles de rue, et puis intervenir, vous savez, avec les messages de la police, hein, quand ils nous disent d'intervenir à tel ou tel endroit. Et du coup, j'ai gagné un peu d'argent, vous voyez, du coup, j'ai 300 000 yens. Je sais plus à combien on s'était laissé l'autre fois, mais voilà, je me suis fait un petit peu d'argent. Je suis tombé aussi sur une quête. Normalement, je voulais pas faire de quête, mais moi, je suis tombé un peu dessus, un peu forcé. Et puis après, bon, j'ai accepté. En gros, c'était un étranger, je crois, une espèce de biker qui voulait qu'on lui fasse visiter un peu la ville et chercher quelque chose, mais il n'arrivait pas à préciser vraiment ce qu'il voulait. Donc à chaque fois, on lui faisait visiter des endroits. Et puis, au fur et à mesure, on avait des éléments d'explication en plus. Et à la fin, en fait, on découvrait qu'il voulait juste un endroit où il y avait... où tout le monde était à poil, en fait. Et je sais plus s'il a parlé d'eau ou pas, mais en fait, quand tu dis tout le monde est à poil, forcément, tu penses au bain public, directement. Et donc, c'était ça, en fait. C'était les onsen, donc les bains publics, ou en anglais, c'était hot spring, je crois que ça s'appelait. Donc voilà, du coup, j'ai fait ça et j'ai gagné 50 000 yens. Donc aussi, j'ai gagné 2 niveaux. Donc là, on voit, j'ai 8 points à dépenser. Donc on va le faire en essence. Donc essence of harvesting et essence of rainbow. Voilà. Comme ça, ça c'est ok. Ça marche. Donc je vous rappelle au niveau du scénario, du coup, on sait que Mishima, donc le bras droit d'Yara, a survécu. Il est planqué dans les docks. Donc là, justement, on va aller lui rendre visite. Et on a aussi tendu un piège à la taupe qui pourrait potentiellement nous rejoindre. Elle est peut-être déjà présente. Et pour essayer de lever le voile sur cette histoire. Donc ça serait une taupe apparemment qui serait là depuis très longtemps, puisque techniquement elle a aussi participé aux événements de la fusillade il y a 25 ans, pour couvrir plus ou moins les vrais événements, avec Katsuragi qui est le véritable meurtrier, et pas Taiga Saijima. Donc tout ça on va le voir bientôt. Merde, je parle au type alors que c'est le taxi. Direction les docks, c'est parti.神室署の谷村だ。お前が保護してもらいたがってるって話を聞いてやってきた。ああ、あんたがそうか。お前が上野清和会の三島だな。 Donc voilà le fameux Mishima qui est pas du tout serein, planqué dans son entrepôt tout pourri avec le flingue prêt à tirer, quoi. Alors, vous êtes le détective? Oui, je suis ici pour vous mettre sous protection. Est-ce que vous pouvez vraiment me jurer que vous allez me protéger, quoi? Uniquement si vous faites votre part du marché,
Et si vous me dites la vérité sur ce qui s'est passé sur les récents événements avec le clan Ueno Sewa, et je ferai mon job, quoi. Bien sûr, je vais parler. Alors, voilà comment c'est arrivé. Moi et Yara, on nous a ordonné, entre guillemets, d'aller foutre un peu la merde au club Elna. Pourquoi? Je ne sais pas, personne sait. Katsuragi nous a juste dit d'aller là-bas pour foutre la merde. On a juste suivi ses ordres. Mais après, l'autre cinglé est arrivé. Akiyama de Sky Finance? Ouais, Akiyama. Il a tout. Enfin, il nous a défoncé, quoi. Je me rappelle de rien après, puisqu'il m'a foutu une bouteille dans la gueule. Et la dernière chose que je me souviens, c'est que je suis atterri au Champion District. Yara s'est sûrement occupée de moi en m'emmenant là-bas. Et je me suis réveillé dans un tas d'ordures et aucun signe d'Yara autour de moi. Pourquoi le Champion District? Moi et Yara, on aimait bien picoler. Et puis c'était pas loin du club Elnar, donc on avait bien picolé plutôt parce qu'on aimait bien. Voilà, du coup ils étaient un peu bourrés. Et c'était pas très loin du club Elnar, donc il n'y a aucune raison particulière. Il est arrivé là-bas comme ça, quoi. Je pense que Yara a pris peur et il a dû. Enfin, il savait que quelqu'un était à sa poursuite. Du coup, il l'a laissé comme ça. J'ai commencé à chercher Yara. Pour savoir ce qui s'est passé et savoir aussi ce qu'il était supposé faire après, mais il ne pensait pas qu'en gros ça allait tourner aussi mal, quoi. Donc du coup il a continué à marcher dans Kamurocho à sa recherche et puis il l'a trouvé, son corps. Du coup là j'étais totalement perdu, je savais pas quoi faire. J'ai flippé, donc j'ai pris la fuite. Il s'est dirigé du coup vers le quartier général du clan Ueno Sewa. Mais Taibarlir, il savait plus comment c'était. Enfin, je sais plus, en gros, il était. Bon, vu qu'il était bourré, plus le coup de la peur, il était un peu à côté de la plaque, quoi. Et du coup, quand il arrivait là-bas, bah, la pièce où il devait aller était vide. Donc, il a pas trop compris. Et il devait digérer en même temps tout le merdier qui arrivait, quoi. Du coup, il est resté là-bas un petit moment. Et après, il a entendu Katsuragi. Et en fait, il était de l'autre côté, dans une autre pièce. Donc, collé à la sienne. Il était en train de parler à quelqu'un au téléphone. Et qu'est-ce qu'il disait? Je peux pas vraiment dire ce qu'il disait, mais en gros, il était dans l'autre pièce et il a parlé pendant un bon moment, quoi. Mais surtout, ce que j'ai entendu, c'est que ça parlait des flics et le mot police est souvent revenu dans la conversation. Mais ce qu'il a dit ensuite m'a fait flipper. Il a dit que Yara est mort, tout comme, enfin, comme c'était prévu, et maintenant, on n'a plus qu'à mettre la main sur Mishima. Enfin voilà, quoi. Du coup, je me suis barré avant que quelqu'un me voie et je me suis caché depuis ce temps-là, quoi. わかった。とりあえず俺の後まで来い。警察で保護の体制が整うまでの間、そこでしばらく。 あんたは。 Une surprise qui n'en est pas forcément une, hein, puisqu'on s'en doutait un petit peu, et en même temps, Tanimura lui aussi. Donc tu es surpris, en gros, arrivé si proche de la vérité, et puis, bah voilà.
Tu n'as pas l'air si surpris que ça. Let's just say... En gros, merde, putain, je sais pas comment traduire ça, mais il l'avait sur sa shortlist, sa petite liste, enfin, je sais pas. En gros, c'était son suspect potentiel, quoi, j'ai l'impression. Alors, du coup, t'as organisé cet appât avec l'affaire criminelle pour voir si le traître, sur le traître, si le traître, pardon, se serait pointé ou pas. On peut dire ça. Et tu es pas surpris de voir que c'est moi? Non. Je peux pas vraiment dire que je voulais que ça soit ça, mais... Et comment tu sais que c'est moi? C'est de la chance, l'instinct du détective. Un bon instinct vient avant tout d'une bonne observation. On vous a pas appris ça à l'académie? Ah, j'ai oublié. Et alors? Ça a porté ses fruits. Je savais que vous n'étiez pas un flic ordinaire depuis un moment. C'est vos chaussures. Bon, en gros, c'est des chaussures de marque, quoi. C'est pas très pratique pour être utilisé sur les scènes de crime. Un flic normal achèterait des chaussures bas de gamme pour les porter dans la journée, quoi. Donc rappelez-vous la cinématique de la première partie de Tsuyoshi, de Tanimura, pardon, où il parlait justement à Tsuyoshi, il se faisait engueuler. Il avait regardé ses chaussures, je sais pas si vous vous rappelez de cette cinématique-là. Et en fait, ce plan de caméra-là qu'on a vu sur les chaussures, bah, c'était ce moment-là. C'est là où il s'est dit que un mec qui se paye des chaussures comme ça, déjà, et qui va sur des scènes de crime, avec ce genre de chaussures, il y a déjà un petit souci, quoi. Donc là, il lui parle de sa montre aussi, trop cher pour le salaire d'un détective. Et puis, voilà, une personne comme lui, en général, peut pas porter ce genre de marque, quoi. Enfin, il y a un souci, quoi. L'argent, d'où elle vient, quoi. Donc voilà, c'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille. Donc là, il lui dit qu'il a un bon instinct et un œil aiguisé. You really think it's... Donc, Tsuyoshi, vous pensez vraiment que c'est moi qui est derrière tout ça? Vous n'avez pas l'air vraiment non plus surpris. Le sauvetage que vous avez organisé quand j'ai rencontré Katsuragi, et vous avez envoyé aussi le chef Isai au restaurant. On dirait que vous cherchez à me surveiller. De quoi tu parles? Vous travaillez avec Katsuragi depuis 25 ans. Mais maintenant, vous en avez marre de ce petit partenariat, c'est ça? Je suis allé dans la salle d'archives numéro 13 et j'ai vu le rapport de la fusillade d'il y a 25 ans. Quoi? Vous étiez assigné à ce dossier avec mon père. Si Katsuragi était le tueur, seulement vous et mon père savez, enfin, étaient en capacité de couvrir cette information, quoi. Vous avez été, en gros, on vous a donné l'ordre, en gros, de, enfin, quelqu'un vous a donné l'ordre, plutôt, de modifier, la réalité, entre guillemets, derrière cette incision, et de couvrir, Katsuragi, qui est le véritable orchestrateur de tout ce merdier, quoi. Dites-moi si j'ai tort. Ferme-la. Tu sais rien du tout sur ce dossier et sur moi. Sokomada. ここまでだ 杉内 お前が上野清和会の葛城と内通していたことは割れている 無駄な抵抗はやめておとなしく投降しろ くそ 杉内さん もう 終わりにしましょう
やっぱりお前ら何にも分かっちゃいねえよ。杉内さん、てめえらおどぎがな、俺の招待知ったとこで結局何にもできやしねえんだ。じゃあな。動くな。撃てんのかよ須藤さんよ。ここで撃ったらあんた終わりだ。日本の警察ってのはな、撃てねえんだよ。そうだろ。一課長、何してるんですか。命令を。これが警察って組織がひしこいて守ってる正義ってやつだ。お前にも分かったか。じゃあな。俺は撃てるぜ谷村。法律がどうこうって問題じゃねえ。要はこれが俺の警察官としての正義だ。谷村、お前やっぱり見込みがある男だぜ。現場で30年近くデカやってる俺が言ってんだ。間違いねえよ。それはありがたいね。分かった。それじゃあお前の正義ってやつがどこまで本気なのか味わしてもらおうか。待て。Allez, du coup, on part à la poursuite de Sugiyoshi qui essaie de prendre la fuite, tant bien que mal. Donc, du coup, pour une course-poursuite en bateau, pour une fois, c'est original. Il était plus habitué aux voitures, habituellement. Donc, du coup, on peut juste conduire, c'est pas nous qui visons, et en fait, faut juste tirer au moment où la cible devient rouge. Évidemment, j'y arrive pas, c'est génial. J'essaie de lui rentrer dedans. Voilà, mange-toi ça. Donc faut éviter de se manger les bouées et puis les bateaux évidemment. Sinon ça fait un peu mal. Donc le but c'est de lui niquer son moteur en fait. Ouh là 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 là. Ça part en steak. Il a plus de vie que moi là, c'est pas bon ça. Aïe. Ça part en couille. Donc oui, durant la cinématique, du coup, on a vu Sudo, hein. Donc ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, mine de rien. On l'avait vu brièvement... Enfin, on le voit toujours brièvement, en vrai, ce perso, là. J'en prends conscience en le disant, mais... C'est vrai qu'on l'avait vu un petit peu dans Yakuza 3, au début du jeu, quand il était avec Date. Quand Date lui a dit qu'en gros, bah, il allait... Bah, se barrer de la police, quoi. Et si vous vous rappelez aussi, on l'a vu du coup à la fin, quand il est venu avec un hélicoptère, je crois, mais moi. Putain, je galère. Donc il vient souvent en aide avec le détective, enfin l'ex-détective Date, du coup. Donc le revoilà, sauf que bon, bah malheureusement... Il ne peut pas agir, hein. C'est ça qui est assez bizarre, parce que du coup,
Je peux pas faire feu, enfin c'est assez compliqué. Et imagine qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui a plus de pouvoir au sein de la police et qui donne des ordres plus ou moins. Et puis en même temps, bah, il n'a pas le droit de tirer parce que bah, c'est comme ça, la police japonaise n'a pas le droit de faire feu au pif, quoi. Donc Tsubushi évidemment connaît très bien ça puisqu'il est flic depuis très longtemps et qu'il connaît un petit peu les limites de la police japonaise. Et il en profite à son avantage du coup pour se tirer. Bon, apparemment j'ai réussi à remonter un peu, j'ai plus de vie que lui maintenant, parce que c'était vraiment mal parti. Ah putain, c'est bon. Putain, en plus ça c'est que des petites bouées à la con, du coup faut bien se allumer sinon tu fais les mains. J'avais envie de le faire, mais j'avais peur d'être trop loin, mais c'est passé. Allez, on est presque au bout.教えてやろう。親さんはな、俺がやったんだ。何？てめえの親父を殺したのはこの俺だって言ってんだ！ Donc c'est parti pour le combat contre Tsubushi avec une menotte, ce qui n'est pas forcément évident. Donc là du coup pour l'instant c'est surtout de la QTE. Voilà. Et là on va passer aux choses sérieuses. Up.
Ah, je vais peut-être me soigner parce que... Oh là là là. Ah là, ça commence à faire très mal. Hop là, on va se soigner un petit coup. Donc c'est assez chaud quand même comme combat. Bon, même si je suis blindé de soins, donc là forcément je me facilite la vie. Mais j'essaie de la jouer assez sérieuse. Allez, lève-toi, bonhomme. Ah, ça y est, il se vénère. Hein. Putain, merde. Putain, j'ai spammé. Hein. Il me viole comme une vieille poupée de chiffon, toi. Nickel. さあ教えろ。俺の親父を殺したのは誰なんだ。25年前、俺の親父を荒川に捨てたのは誰なんだ。おい。いや、今さら何度も言わせんな。俺だ。どうした？撃たねえのか？なんでだよ。なんであんたなんだよ。なんで？なんで警察官が警察官を殺さなきゃなんねえんだよ。だから言ったじゃないか。違うんだって。俺はな、そもそも警察官じゃねえ。え？俺はな、極道なんだよ。どういうことだ。俺と葛城がな、そっちの世界でいうとこの兄弟、つまり親友ってことだ。なんだって。俺初めから上の世話会側の人間なんだ。警察の内部事情をスパイするために警察学校に入り、デカになったヤクザ、それが俺だ。あんたがヤクザ？そうだ。じゃあ25年前の上野義治襲撃事件の真犯人が葛城だということを俺の親父が知ってしまったから、あんたは親父を殺したのか？そんな簡単な話じゃねえ。そんな簡単な話じゃねえんだよ。
生きてんのか。なんだこりゃ。ゴム弾ですよ。ああ死ぬほどじゃないですが、威力は相当なもんだったでしょう。カツラギ、お前何言って。カツラギ、てめえ何して。ちゃんと入院しねえとな。死なねえ程度に打ってくれ。分かった。これでお前が退院したら、若頭か。親父の方がくたばらなきゃな。大丈夫だ。しばらくしたら目を覚ますだろう。あとは頼んだぜ。以上が冴島大河による上野義治襲撃事件の顛末です。なるほど、ご苦労だったな。いえ、これが自分の仕事ですから。ほう、嘘の報告書を書くことがかね。何のことでしょうか。無理がありすぎるよ杉内君。この程度の報告書で私の目をごまかせるとでも思ったのかね。あの狭い店内、犯人の冴島が20人もの組員とやり合うにはかなり無茶な乱闘になったはずだ。当然冴島も抵抗を受けただろう。それなのに死んだ18人は皆すべて正確に頭を打ち抜かれている。この冴島という男はよほど射撃に手慣れた鉄砲玉だったんだろうね。さらに検視の報告を見ると面白いことがわかる。事件当日、組員たちは防弾チョッキを身につけていなかった。不用心にもね。そして頭を打ち抜かれた組員たちは全員体にゴム弾を被弾したような傷があった。君も知ってるだろ、警察がボート鎮圧用に試験開発した特殊な弾丸だ。まだ実験段階ではあるが、相手を気絶させる程度の威力は十分にある。だが犯人はどうして警察関係者しか知らないはずのゴム弾を入手できたのかな。そもそも致命傷を与えることができないゴム弾で一度相手を気絶させ、その上でわざわざ実弾を使って殺害したりするものだろうか。いや、もしそうだとしたら不思議な犯人だね。そして上野義治以外に唯一生き残った桂木という男だけはなぜか肩に実弾を受けている。
正確に標的の頭を撃ち抜く腕を持った犯人が葛城の時だけ狙いを外したんだろうか。宗形部長。杉内君、この事件、私の推測では葛城という男が仕組んだことだったのではないかと思う。どうかね、冴島大河は葛城に利用されただけだ。このことに有能な君が思い至らなかったとはとても思えないのだがね。それは杉内君、一つ君に頼みがある。頼み？私に葛城勲を引き合わせなさい。そうすれば今回のこの事件、君の報告書通りの結末にするが、どうだね。宗形、ひょっとして今の警視庁副総監の。ああ、俺らのバックにはあの宗形副総監がいる。これでお前も分かっただろう。敵は果てしなく強大な存在だ。はあ、これで楽になった。30年だ。30年も偽りの自分を演じてきたんだ。誰にも話せず、誰にも理解されずにな。この苦しみがお前に理解できるか。あんた、俺は一体何がしたかったのか。25年前のあの日、宗形を葛城に引き合わせたあの日から、俺は警察と極道両方の犬になっちまった。本当の自分の目的なんてもうすっかり忘れちまったよ。お前はいいな、デカとして生きられて。え？偽りとはいえ30年もデカやってると、それなりに人に感謝されたり喜ばれたりすることもあった。俺はその度に悩み苦しんだ。果たして俺は何がしたいんだろうってな。事件を解決するや、人から感謝される、そんなりゃ頭じゃダメだと分かっていても、心の奥底では嬉しいという感情を覚えちまう。俺もさ、お前みたいに悩んで苦しんで走って力いっぱいデカやってみたかったな。杉内さん、逮捕しろよ。お前は自分の力で父親の仇捕まえたんだ。どうした？一つ教えてくれ。うん。宗形の目的ってのは何だ？宗形はあんたや葛城を使って何をしようとしているんだ？お前の目的は俺を捕まえることだろう。それは達成できたんだ。これ以上は知らない方がいい。ダメなんだよ、それじゃ。それじゃダメだって親父が言ってる気がするんだ。まだ事件は終わってない。だから俺は宗形を捕まえる。それを知ったら日本の警察すべてを敵に回すぞ。
それでもいいのか。親父の死の真相を知るために刑事になった時から覚悟はできてる。そうか。杉内さん。杉内さん、しっかりしろ。谷村。何ですか。俺だけじゃないんだ。裏切り者は。え？裏切り者？杉内さん、杉内さん、これでようやく楽になれる。ありがとうな。杉内さん、目を開けろ。杉内！そうか、杉内が死んだか。ええ、命令通り始末しました。ええ、二人ともです。これから谷村の身の回りの事実を知る人間を始末します。あんた、マーちゃんに何をするつもりだ。Et voilà, donc on a terminé la troisième partie avec Masayoshi Tanimura. Donc on va s'arrêter ici. Donc on va débriefer un petit peu, parce que là il y a eu vraiment beaucoup de cinématiques. Bon, déjà, on sait du coup pourquoi Taiga Sajima est considéré comme innocent. Puisqu'en fait, sans le savoir, il utilisait du coup des nouvelles munitions expérimentales. En 85. Donc forcément, il ne savait pas ce qu'il utilisait à ce moment-là. Donc en fait, c'était tout simplement des balles en caoutchouc pour contrôler les débordements, etc. Donc finalement, il a tué personne. Et là, dans votre tête, vous vous dites, bon, ça semble logique, puisque la cinématique qu'on a vue quand il avait tué les gens, enfin, du moins, il leur tirait dessus, bon, vous voyez, pas de sang. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a plusieurs vidéos auparavant, je vous avais dit que j'avais été pointilleux là-dessus et j'avais examiné cette séquence. Parce que j'ai voulu être sûr, enfin, pour voir s'il y a pas de soucis et tout, que tout soit bien cohérent, en fait. Et si on regarde bien, du coup, cette cinématique-là, bon, des fois, on voit du rouge voler.
Et en fait, c'est tout simplement bah, les bols de ramen qui volent avec la sauce rouge, quoi. Donc, jusque-là, rien d'anormal. Sauf qu'il y a un seul Yakuza qui se fait tirer dessus au niveau de... Je sais pas comment on appelle ça... C'est pas l'épaule, mais si vous voulez, le... Merde, je sais plus comment on appelle ça. Il y a un os, si vous voulez, enfin deux os horizontales là, qui nous traversent, entre guillemets, qui sont rattachés au muscle de l'épaule, je crois. Qui passent juste en dessous de notre cou, en fait. Je sais plus comment on les appelle, ces os-là. Et en fait, il y en a un qui se fait tirer à cet endroit-là, et du coup, il y a du sang. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais attends, là, ça veut dire qu'il l'a buté, techniquement. Mais en fait, non, c'est juste que vu que ça a bout portant, et que bah, les balles en caoutchouc étaient quand même vachement violentes, hein, puisque ça les a tous mis KO, et vu que cet endroit, en fait, là, il y a très peu de peau, finalement, bah, c'est un endroit où, même si c'est pas une balle létale, bah, ça fait tellement de dégâts que le mec, il a quand même pris cher, quoi. Ça lui a enlevé de la peau, quoi, donc il a pissé le sang. Mais il est pas mort pour autant, en fait. Donc c'est vraiment cet endroit-là qui m'a fait titiller. Après, je me suis dit, bah, c'est vrai, vu l'angle de tir et la proximité, bah, ça reste cohérent, en fait. Donc du coup, voilà, Taiga Sajima, n'est pas le véritable meurtrier. Et c'est vrai qu'en même temps, je l'avais pas forcément traduit comme ça, parce que c'était écrit dans du texte, enfin, c'était pas dans des cinématiques. Mais en gros, il a un certain surnom, en gros, c'est 18 Count, en anglais, en fait, c'est 18 coups, si on pourrait le traduire en français. C'est qu'en gros, bah, c'est une balle par personne qu'il lui a fallu pour les tuer. Et en fait, ça, on le découvre comment c'est arrivé, c'est que tout simplement, Katsuragi a utilisé une balle par personne en leur tirant dans la tête. Donc évidemment, bon, vous avez remarqué que même en faisant ça sur le rapport, bah, c'était cramé, parce que bon, comme par hasard, Katsuragi, lui, c'est une balle dans l'épaule, alors que tout le monde, c'est dans la tête, enfin bon, je refais pas le descriptif de Munakata quand il a regardé le rapport et tous les défauts qu'il voyait sur ce faux rapport, mais voilà, c'était forcément cramé. Donc pareil, on comprend du coup le comportement de Sudo, et en même temps, cette certaine confiance en lui de Tsugushi, à se dire, de toute façon, vous pouvez rien me faire, je suis intouchable, bah parce qu'en fait, t'avais Munakata derrière, qui est vraiment un très haut placé. Alors ça, c'est un petit problème au niveau de la traduction, je sais pas comment le traduire, en fait, en anglais, c'est deputy, enfin, je vous fais pas l'accent, mais c'est deputy commissionnaire, je crois. J'ai pas réussi à trouver, j'ai essayé de taper les rangs de police japonaises et tout, j'arrive pas à trouver, en fait... Enfin, j'ai pas réussi, du moins, à trouver. Après, j'ai cherché pendant une bonne heure, et après, ça m'a saoulé, parce qu'à un moment, faut passer à autre chose aussi. Donc, du coup, j'ai fait le choix de traduire littéralement ce terme. Donc, pour nous, c'est député commissaire, mais je sais pas à quel rang ça correspond. Mais en tout cas, de ce qu'on comprend dans l'histoire, c'est que c'est un rôle très important, quoi. C'est peut-être pas limite le mec qui est à la tête de la police de Tokyo, mais... Enfin, si, y a des chances, quoi, que ça soit lui, quoi. Donc peut-être pas la police du pays, mais la police de Tokyo, on dirait que c'est lui, quoi. Donc il a un rôle très très important, entre guillemets, au sein de la police. Ce qui fait que bah du coup, bah, Tsugushi se sentait protégé. Et Sudo ne pouvait pas intervenir non plus comme il pouvait pour Tsugushi. Et en même temps, du coup, bon bah Tsugushi, du coup, s'est fait éliminer. Parce que forcément, comme d'habitude, ils en savent trop, donc on les élimine. Mais il nous a révélé qu'apparemment il y aura un autre traître au sein de la police, mais on ne sait pas qui c'est, enfin en tant que Tanimura. Par contre, on a pu constater que le chef Isai, donc le supérieur de Tanimura, avait une mission. Donc si vous vous rappelez, il était déjà venu à notre restaurant, ce qui était déjà suspect. Et là, apparemment, on lui a donné la mission d'éliminer les proches de Tanimura, donc à savoir Zao et puis sa fille, quoi, sa petite fille. Donc ça s'est terminé là-dessus. Donc ça promet du lourd pour la suite, entre guillemets. Mais c'est... Voilà, on comprend déjà un petit peu mieux le scénario de ce côté-là. Et du coup, bah, Sajima, finalement, a passé 25 ans de sa vie, et techniquement, il va être exécuté dans 2 jours ou un jour, maintenant peut-être, selon le temps qui s'est passé, alors que le mec a rien fait. Mais lui ne le sait pas, en fait, puisque, comme il le disait, enfin, il a tué des gens, pour lui, ça le traumatise dans chacun de ses cauchemars et tout, alors qu'en réalité, il aura rien fait. Enfin, si, il les a juste stone avec des boulettes, enfin, des boulettes, des balles en caoutchouc, quoi. Donc c'est ça qui est chaud quand même, c'était bien pensé ce truc-là, je trouve. Et c'est vrai que pour ceux qui avaient le détail, par contre, quand vous avez regardé la cinématique, la première avec
Taiga Sajima qui est en train de tirer sur tout le monde, bah vous avez dû le constater par vous-même que la plupart des impacts, enfin même tous sauf un comme je vous ai expliqué, bah il n'y avait jamais de sang en fait. Donc déjà ça c'était suspect, vous avez sûrement tilté parce que bon, surtout dans les Yakuza, à part du temps quand ils tirent, enfin vous voyez à chaque fois il y a des auréoles de sang ou des éclaboussures, donc c'était pas commun. Déjà ça. Et en même temps, Katsuragi, la manière dont il défend ses hommes et son chef, c'était complètement pété. Enfin, le mec, il a un chargeur plein de flingues, on le voit bien dans la cinématique, il tire comme un putain de pied, le gars, quoi. Il tire n'importe comment, il vit juste un petit peu l'épaule de Taiga Sajima sur sa dernière balle, je crois. Enfin, il s'est pas tiré, quoi. Mais en fait, c'est volontaire. Tout simplement pour qu'il fasse le taf. Et ça, tu le comprends après, parce que sur le coup, tu peux te dire, mais... Ouais, c'est débile, enfin, c'est des mongols, les mecs, ils savent pas viser. Mais en fait, tu comprends tout ça, bah, à partir de là. Parce que vu que tout est orchestré et tout, bah, tu comprends, du coup, son comportement plus qu'étrange. Et en même temps, pourquoi il se met sur son président pour dire, ouais, ouais, je te sauve bien, mais en fait, il s'en bat les couilles, il a un gilet pare-balles, quoi. Donc, il a vraiment tout prévu au cas où. Donc, voilà, c'était assez vicieux de sa part. Donc, du coup, là, pour la partie de Tanimura, du coup, ça s'achève. Et du coup, dans la vidéo suivante, bah, on rejouera avec notre bon vieux Kazuma Kiryu. Et puis, bah, on verra où le scénario nous mène, puisque il y a encore quelques mystères à résoudre, notamment bah, l'histoire du traître. Est-ce qu'il parlait du chef Isai ou de quelqu'un d'autre? Ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va devenir de Saejima? Ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va devenir de... Enfin, des Saejima, même, puisque là, je pensais à Taiga, mais faut aussi penser à Yasuko. Qu'est-ce qui va se passer à Okinawa? Donc voilà, du coup, Arai a survécu, il a buté Shibata, donc qui est soi-disant son supérieur. Donc du coup, il reste Katsuragi, Arai, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà, voilà, donc il reste encore pas mal d'éléments à compléter, je dirais. Donc voilà, on a encore pas mal de vidéos, je pense. Hein. Donc comme je visais la trentaine, donc je pense qu'on sera pas long en tout cas. Donc en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Et puis on se dit à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !